Bonjour, bonsoir. C'est moi, Geek Gamer Guy, le mec de YouTube à l'avatar carotte qui teste des jeux dont personne ou presque n'a rien à foutre et qui confond régulièrement sa gauche et sa droite. Et pour cette rétro value, je ne vais pas vous présenter un jeu sur Dreamcast, même si c'est ce que vous préférez. Moi, j'aime bien vous faire attendre, car la viande est toujours meilleure lorsqu'elle est un peu rassie. Par contre, je vais vous présenter un jeu de course, ce qui est très original venant de moi. Il s'agit de Monster Truck Madness sur Game Boy Advance. Un jeu sorti en 2003, développé par Tantalus Interactive, édité par THQ. Et bon, à la base, c'est une licence de chez Microsoft. Vous avez certainement déjà entendu parler des jeux Monster Truck Madness, et si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller vous faire mettre au courant par Google. Donc, on a du Time Attack classique sans Ghost, mais tout de même avec quelque chose d'équivalent, une ligne horizontale qui se déplace sur la piste et qui représente le meilleur chrono. Sinon, on a le mode course instantanée qui ne nécessite aucun choix de la part du joueur. Et enfin, le mode course, le mode principal, celui qui permet d'avancer dans le jeu. Et là, direct, vous vous prenez en théorie une petite claque dans la gueule, parce qu'on est sur Game Boy Advance et c'est un jeu vraiment très bien gaulé pour le support. C'est sûr que pour le joueur moderne, ça a l'air dégueulasse comme ça à première vue, mais si on se remet dans le contexte pour un jeu sur Game Boy Advance, il a une monster cock qui te défonce le butthole in the soup à la courge, ou comme on dit chez nous, il a une bonne gueule. Je rappelle qu'à la base, la Game Boy Advance n'était pas prévue pour accueillir des jeux en 3D. La console était censée assurer dans la 2D ou la simili 3D, le fameux mode 7 comme on avait sur Super Nintendo. Du coup, c'est normal si la 3D sur Game Boy Advance est très loin de rivaliser avec la 3D de la PlayStation ou même de la Saturn. Bien que l'on dise de la Game Boy Advance qu'elle est une console portable 32 bits, ce n'est pas vraiment comparable avec les consoles de salon 32 bits. Le nombre de bits, c'était plus un argument marketing qu'autre chose à l'époque. D'ailleurs, aujourd'hui, on n'en parle plus du tout. Mais rappelez-vous de la Jaguar d'Atari, qui avait la prétention d'être une console 64 bits. On s'est bien rendu compte qu'elle était d'une technologie inférieure à la Nintendo 64. Donc voilà, il faut se dire qu'avoir de la 3D sur Game Boy Advance, ça constitue une prouesse. Et ce Monster Truck Madness s'en sort de façon admirable. Il a même trois caméras différentes. Il y a pas mal d'éléments qui sont des sprites 2D, c'est vrai. Mais le jeu reste fluide et dynamique. Dynamique. Ça me fait penser à Emmanuel Macron à chaque fois que j'emploie ce mot. Enfin, lui, on disait qu'il était un président jeune et dynamique, pas fluide et dynamique. Mais bon, à force d'être pour le progrès, il pourrait bien devenir gender fluide, que ça ne m'étonnerait pas. Bref, pour en revenir à ce Monster Truck Madness, voilà, comme je le disais, il profite d'une belle réalisation, avec ses graphismes qui mélangent 3D véritable et sprites 2D. Vous savez, de vouloir faire de la full 3D sur Game Boy Advance, ce n'est pas forcément la meilleure solution. Je ne pense pas que le véhicule soit modélisé en 3D. Je parierais plutôt sur des sprites 2D qui représentent le Monster Truck sous différents angles. Mais c'est suffisamment bien torché pour me laisser le doute. Et bordel, on a même la transparence de l'ombre sous le véhicule. De quoi rendre jalouse la Sega Saturn. Pour parler du gameplay, c'est un jeu dans lequel on ramasse des items à utilisation immédiate, et aussi un jeu dans lequel on défonce plein d'éléments présents sur la piste, ce qui remplit la jauge en bas de l'écran et active le mode Rampage. En gros, le mode Rampage, ça vous rend comme le mec dans Serbian Film, et vous défoncez tout ce qui bouge. C'est aussi à effet immédiat, c'est-à-dire que dès que la jauge est pleine, aucune action n'est requise de la part du joueur. C'est directement la grosse bite à dudule qui s'active, peu importe la largeur ou la lubrification du trou. Cette métaphore d'une incroyable finesse signifie que je ne trouve pas ce système de rampage si pratique que ça, parce que si le rampage s'active dans un passage délicat, genre juste avant un virage serré, c'est plutôt emmerdant. C'est donc au joueur d'être attentif par rapport à la jauge, afin de ne pas la remplir trop vite, enfin surtout de bien gérer à quel moment la remplir au max. La jauge se vide gentiment lorsqu'on ne détruit rien. Donc le joueur doit doser le truc, faire monter la pression ou la faire redescendre pour retarder le moment où il va lâcher la purée. En fait, ce jeu, c'est un peu comme une bonne baise. Putain, si vous dites ça à votre copine ou à votre femme, elle va vous trouver super romantique, hein. Et il faut quand même faire attention à certains éléments du décor qui ne sont pas défonçables.
donc qui sont des obstacles. Il faut les repérer et savoir les distinguer des éléments que l'on peut défoncer. Ces éléments non défonçables deviennent plus présents dans les courses de difficultés plus élevées. En fait, on a trois coupes qui représentent trois niveaux de difficulté: Rookie, Intermediate, Professional. Une fois qu'on a complété les 10 courses de la première coupe, on débloque la deuxième coupe et ainsi de suite. On retrouvera à chaque fois les mêmes environnements, bon, c'est quand même assez diversifié, et les courses seront différentes. Et au fur et à mesure qu'on remportera des courses, on débloquera de nouveaux Monster Trucks. C'est systématiquement le dernier véhicule qu'on a débloqué qui est le meilleur. Concernant la difficulté, elle est en dents de scie. Des fois, c'est la galère pour gagner une course, ça se joue au poil de cul. Et je ne vous parle pas d'un cul de portugais, mais d'un cul avec des tout petits poils. Oh caray, tosh fudida! Donc ouais, il y a des courses que j'ai dû recommencer plein de fois, et il y en a d'autres où c'est passé comme papa dans maman. En principe, si j'arrive à passer devant les autres connards assez tôt vers le début de la course, ça roule bien. Sinon, lorsque les autres connards sont devant moi, ils me prennent les items juste sous le nez. Et ces merdes d'items mettent genre 50 ans à réapparaître. Et je trouve regrettable que l'item s'utilise si tôt qu'on le ramasse. J'aurais préféré pouvoir stocker l'item et m'en servir au moment où je le désire. Mais bon, dans la vie, on n'a pas toujours tout ce qu'on veut. Et ce jeu est là pour nous le rappeler. Oui, c'est un jeu très philosophique. Non, je déconne, c'est plutôt un gros jeu de bourrin, un jeu au gameplay très viril. Ouais, c'est sûr qu'on n'est pas là pour faire dans la dentelle. La jouabilité est assez bonne, je veux dire, il y a une certaine consistance, on sent bien le poids des véhicules. Mais voilà, ce n'est pas non plus hyper subtil. C'est un jeu pour les joueurs qui portent une barbe de 3 jours, qui trempent leurs couilles dans l'eau chaude et qui boivent de la bière en retour très fort. Si ce profil vous correspond, alors ce jeu vous correspond certainement. Personnellement, je trouve le jeu appréciable, mais surtout je le trouve super bien réalisé. En fait, il me rappelle un autre jeu du même développeur, ATV Quad Power Racing, aussi sur Game Boy Advance, un jeu auquel j'ai déjà consacré une rétro value. Je pense que c'est le même moteur graphique, la même technologie, mais ce Monster Truck Madness est beaucoup plus convaincant, plus rapide, plus nerveux, et le fun est bien plus palpable. C'est comme si ATV Quad Power Racing avait servi d'entraînement et qu'après, les gens de chez Tantalus Interactive avaient décidé de se donner vraiment à fond. Ok, on n'a toujours pas de musique pendant la course, mais bon, tant pis, ce n'est qu'un point de détail. Il y a quand même une assez bonne ambiance, des voix digitalisées et des bruitages pas trop mauvais. C'est un jeu de course digne d'intérêt au-delà de la simple démo technique. Même si les jeux de course, ce n'est pas trop votre truc, ce qui m'étonnerait sinon vous ne seriez pas en train de regarder cette vidéo. Enfin bref, même si les jeux de course, ce n'est pas trop votre truc, celui-ci vaut la peine d'être essayé, il vaut le coup d'œil. Pour autant que vous soyez du genre à aimer observer l'évolution des jeux vidéo, et voir des jeux tournés sur de vieux supports qu'on exploite au maximum de leur capacité. Et pour cela, je trouve la Game Boy Advance très intéressante. J'aime beaucoup la technologie de cette console portable. Elle a su garder cette identité de console de la gamme Game Boy, donc on ne doit pas s'attendre à une PlayStation portable, mais c'est une console Game Boy un peu hybride, c'est-à-dire qu'elle essaye quand même de jouer sur le même terrain que les consoles de salon, mais pas tout à fait. Je ne possède pas la Game Boy Advance, mais je profite de sa ludothèque grâce au Game Boy Player de la GameCube. La Game Boy Advance a pour elle une ludothèque de qualité, bien fournie, on peut voir vraiment de tout. Donc ouais, je trouve les jeux Game Boy Advance intéressants par rapport à la technologie qu'il y a derrière, mais je trouve aussi qu'il y a de bons jeux, tout simplement. Et je me dis que je devrais peut-être me consacrer encore plus aux jeux Game Boy Advance, même si les gens qui viennent sur ma chaîne sont plus intéressés par mes vidéos sur des jeux Dreamcast, en tout cas une partie du public qui se reconnaîtra, moi je fais mes vidéos selon l'humeur, c'est comme ça que je choisis les sujets, les jeux que je teste, mais j'essaye d'être équitable. Seulement, je possède un certain nombre de consoles, certaines ont une plus grosse ludothèque que d'autres. Je voudrais représenter Sega autant que Nintendo, autant que Sony ou même Microsoft. D'ailleurs, des rétro-value sur Xbox, j'en ai fait très peu. Et des rétro-value sur GameCube, pas tant que ça non plus.
Ouais, être équitable, ce n'est pas si simple. Et je dois trouver l'équilibre entre être à l'écoute de mon public et être à l'écoute de mes propres envies. Et quand je tombe sur un jeu comme celui-ci, je sais qu'il faut que j'en parle parce que c'est un jeu exemplaire dès qu'on aborde le thème de la 3D sur Game Boy Advance. Et puis c'est un jeu sympa, défoulant, peut-être pas super équilibré dans le challenge, donc un peu frustrant parfois, mais je trouve qu'il a un bon gameplay. On peut même faire un départ turbo en ayant le bon timing. Et on a des sensations de conduite qui varient selon le véhicule choisi. Évidemment que la jouabilité est d'une nature arcade et non pas simulation, mais ça n'empêche pas d'avoir des réactions différentes de véhicules qui ont une physique différente les uns des autres. Sinon, je n'ai pas trop remarqué de nuances entre une course sur asphalte, sur sable ou sur neige. Oui, il y a certainement une différence, mais je n'ai pas trouvé ça flagrant. Par contre, j'ai remarqué qu'on va plus vite en restant au milieu de la piste. Quand on va sur les bords, on perd de la vitesse, mais légèrement. C'est mieux fichu que dans ATV Quad Power Racing. Après voilà, si je fais la comparaison avec ce jeu que personne ne connaît, c'est juste parce que derrière c'est le même développeur. Je ne veux pas vous inciter à découvrir ATV Quad Power Racing, ce n'est pas un jeu d'un grand intérêt. Mais c'est un bon exemple de brouillon avant le chef-d'œuvre. Quoique chef-d'œuvre pour désigner ce Monster Truck Madness, c'est sans doute très exagéré. Disons que c'est un vrai tour de force sur le plan technique et un vrai jeu de course arcade sympa sur le plan ludique. Aussi, ce que j'apprécie avec ce jeu, c'est qu'il dispose d'un vrai système de sauvegarde. Pas besoin de se prendre la tête avec des mots de passe. En fait, moi, tout ce que je lui reproche, c'est un manque d'équilibre. C'est un jeu un peu trop facile lorsqu'on se trouve en tête et un peu trop tendu du slip lorsqu'on est tout derrière. Le joueur, quand il est premier, il rafle tout. Les items, les objets destructibles pour faire monter la jauge de Rampage. Mais quand il est dernier, ce sont les autres qui raflent tout. Il manque quelque chose pour pouvoir rééquilibrer ce genre de situation. On n'a pas d'item qui vise exclusivement celui qui est devant. Par exemple, quand un adversaire ramasse un item de bombe, ce sont tous les adversaires se trouvant à proximité qui explosent. Aussi bien ceux qui sont devant que ceux qui sont derrière. Voilà, c'est tout ce que j'ai à reprocher à ce jeu, sinon pour les items qui sont à utilisation immédiate, ou bien le mode Rampage qui se déclenche tout seul dès que la jauge est pleine, ouais, je trouve ça un peu chiant, mais c'est un choix délibéré de la part des concepteurs du jeu. Dans l'ensemble, je vous recommande ce Monster Truck Madness sur Game Boy Advance. Sur ce, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante, ou au moins divertissante. Je remercie tous ceux qui me suivent, qui me soutiennent, et je vous dis à la prochaine.